Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 de mon Let's Play sur le jeu Dead Space 2. On se retrouve en Face Commentary FLU dans un épisode spécial où je suis tout seul. Oui, j'avais pas d'autres viewers, d'autres invités qui est venu témoin ce week-end. Alors je pouvais pas refaire comme pour l'épisode 10 où j'avais mon ami Tsubasa. Donc dans cet épisode 20, bah il est spécial parce que il est en 1080p et voilà. Vous aurez une meilleure qualité de ma tête, de l'image, ça sera en plus grand. Bref, voilà. Spécial 1080p, je vous reprends pile poil là où je vous avais laissé. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bah j'ai changé d'armure, j'ai pris l'armure rétro-industrielle. Voilà, c'est la tenue rétro-industrielle, donc elle est un peu plus verte que celle qu'on avait dans le dernier épisode. Ça se voit pas beaucoup comme ça, mais si, c'est pas la même. J'ai encore un peu amélioré mon gros canon. Et du coup, bah, on va avancer et on va voir un petit peu ce qui se passe. C'est bien une scène que j'aime pas trop par la suite. J'ai mis le truc. Ouais, la jonction du circuit a sauté. Il m'en faut une autre. C'est courant. Voyons. T'as quelque chose? Non. Que dalle. Bien. Bon bah va voir que je pirate alors. Il ne reconnaît pas cette jonction. Ça devrait aller tout seul. En rebranchant. Quoi? J'ai pas entendu. Je bidouille. Que dalle. T'inquiète pas, je bidouille. Ça y est, je l'ai fait démarrer. Super. Ascenseur et moi... de l'autre côté. Comment ça, de l'autre côté? Prends-le. Ok. Ok. C'était tout, les billets. Tout ça. Allez, venez, les billets. Je voulais tester ces petits trucs sur vous, en plus. Ça tombe bien. C'est trop facile avec ça. Eh, tu es sérieux? Viens ici. Bon, il y en a d'autres ou il n'y en a pas d'autres? Allez, venez. Venez les saucissons. Venez les saucissons. Je sais pas s'ils reviennent à l'infini. À vrai dire, je sais pas. Je vais tester. Voilà, je vais tester un petit peu. On va voir. Y'en a d'autres? Ah. Ah, c'est... Attends. Jean-Louis! C'est fini ou y'en a d'autres? Y'en a d'autres! C'est fini ou il y en a d'autres? C'est fini?
Et j'ai vaincu tous les petits, mes amis. Par contre, j'ai utilisé tout, mais... Ouais. J'ai utilisé tous mes trucs. Oulala. Quoi ? Y'a moyen d'aller en récupérer d'autres, on sait jamais. Non, c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Mince alors. Bon, au moins on a pacifié la zone. Un peu comme j'aime bien faire dans Dead Space. Et maintenant on va s'amuser au... On va s'amuser avec ça. Vous allez voir. Allez, venez. Et il meurt quasiment sur place. C'est ça qui est dommage. Ces choses ont envahi les mines. Si on en croise autant par ici, combien il y en a au-dessus de nous? Alors ça, c'est une très bonne question. J'adore faire cette zone au Méga PK. Oh le dégueulasse! Hein? Bah c'est un peu compliqué! Oh quoi? Encore? Oh non! Oh là, il y en a partout! Oui, mais j'ai vu, hein. J'ai vu, il y en a partout. Ouh, ouh. Faut avoir les yeux partout, mes amis. Faut avoir les yeux partout. Oh là là. C'est fini? Dites-moi que c'est fini. Dis-moi que c'est fini. S'il te plaît. Hein, toi, t'es tranquille, t'es dans ta cabine. Mais moi, je suis en train de me battre contre des monstres. Bon, on les a tous tués. Mais fallait le dire. Ok, on arrive à la grosse porte. Vas-y, les fais tout péter.
vas faire. On dirait qu'on a atteint les fondations du siège du gouvernement. Super. Et comment y accéder ? Tu fonces dans le tas. Droit devant, nous avons une foreuse. T'es sérieuse ? Mais je suis au-dessus. Je suis en haut de ce truc, non ? Voilà. Ellie. Oh non, mais Ellie, mais t'es complètement cinglé. Non, mais je suis au-dessus de la machine. Elle va perforer une porte, je suis au-dessus de la machine. Ah bah ça, il fallait s'y attendre, hein. Putain de merde, ça fait mal. Ouais. Mais on comparera nos deux plus tard. Non mais tu... Du claque. Et à coup sûr, c'est le siège du gouvernement. Et je parie que ton monolithe se trouve derrière cette porte gigantesque. Bon, ne traînons pas trop. Ces choses vont sûrement nous suivre jusqu'ici. Il doit y avoir un ascenseur pour relier les différents niveaux. Essayons de nous rejoindre. Ok, je me mets en chemin. D'accord, fais gaffe, il y a des bébêtes sûrement. Ok, bienvenue au siège du gouvernement. Le siège complètement foireux. Il y a un hélico entreposé. Quoi ? T'en es bien sûr ? J'y croyais plus. Isaac, tu me reçois ? On va partir d'ici vivant. Ah, c'est trop dangereux pour que tu restes, Ellie. C'est clair. Qu'est-ce que tu me racontes ? Va-t'en ! Amène ton cul ici. Non, tu dégages ! Tu pars sans moi, je suis complètement cinglé. J'ai pas envie de faire Dead Space 3. Ça me dit rien. Tu vois, dès que j'aurai fini au moins Dead Space 2, après je serai tranquille. Pendant un petit moment, j'aurais plus besoin de combattre des grosses bébêtes, tout ça. Donc, oui, parce que là, on s'approche dangereusement de la fin, les amis. Hein. Je tiens à vous le dire. Alors, nous, il veut qu'on aille par là. Du coup, on va par là. Hop, hop, hop. On a tout cassé. Donc on s'approche, oui, dangereusement de la fin. Bon, bien sûr, une fois qu'on aura fini Dead Space 2 en tant que jeu principal, cool, on aura bien sûr l'extension, c'est vrai, qui reprendra pas l'histoire de Isaac, qui reprendra quelqu'un d'autre. C'est vrai que je sais plus trop quelle est cette histoire complémentaire. Ah! On y va! Allumage, ok. Quoi, t'es déjà dedans? Système auxiliaire activé. Isaac? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu dois partir sans moi. Oh! Hé, hey, Isaac, qu'est-ce que tu fabriques? Tu dois partir sans moi. Isaac! Qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte, éclatante! Non! Non! Non, t'as pas le droit! Lance pas le vaisseau, sois raisonnable! Isaac! C'est ta meilleure chance, Ellie. Exactement. Si je restais avec toi, je te ferais des bébés. Hé! Hey, t'es tiré d'affaire. Je te raconte pas, faire des bébés avec moi, c'est compliqué. Je l'ai laissé partir, Nicole. Mais toi, je peux te sauver. Salut. Ah. Je suis fatigué, je vais un peu me reposer. Hein. Avec toutes ces émotions, il est temps de passer l'éponge. Tu peux parler maintenant? Ouais, Nicole, si tu veux, vas-y, parle. Quoi? Tu veux partir, toi aussi? Compte pas sur moi, Nikki. Tu sais bien que j'ai jamais voulu que tu partes. Nous ne voulions pas tout ce qui s'est passé, Isaac. Isaac. Touche-moi. Je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est clair. Isaac, pitié. Ne faisons plus qu'un. Non. Tu m'as déjà dit ça dans Dead Space 1. Jamais. Jamais. T'es
ne mourra pas, Nicole. Tu ne m'as pas eu. C'est pas maintenant que je vais me laisser faire. Bon. Ellie est sauvée. Ça, c'est déjà un très très bon point, mes amis. Il est temps d'avancer vers la... Je peux bien vous protéger. Mais ça s'arrête là. J'ai 200 de gardes armés jusqu'aux dents prêts à passer. Toutes les entrées sont fermées. Même si vous réussissez à entrer, je ne donne pas cher de votre peau. Eh ben, c'est ce qu'on va voir, Billy. Ok. Ok, ok. Alors, je pense qu'il est temps de mettre ce costume de l'amour, la tenue avancée niveau... badass. Ouais. Je pense qu'on a assez vu les tenues rétro pour ce let's play. Il est temps de mettre quelque chose d'assez épique, il est temps de mettre de quoi se combattre. Parce que là, on arrive quand même sur l'arc final de Dead Space 2. Donc pour cet épisode spécial 20, avec pas le son du changement. J'aime pas trop ces armures-là, je préfère celle de soldat. Celles-là, elles font un petit peu collant moulé. Voilà, il me faut un petit peu, hein, un petit peu collant. Bon, 3000. Voilà. On va dire, ça va être pas mal. Et donc là, normalement, on a déverrouillé, regardez, l'emplacement, tous les emplacements, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. ...65 de munitions, 4... Je pense qu'on va se mettre un petit peu au cutter plasma. Vous en pensez quoi? Quand même notre arme la plus évoluée. Oh non, il y a un gros. Salut! Ils m'ont pas vu! Salut! Je crois qu'ils m'ont vu là. Je crois qu'ils m'ont, ils m'ont bien vu même. Putain, mais y'en a combien? Ok. T'en as pas marre, toi, espèce de pincette de diff? Je vais te défoncer. Ah ouais, c'était tendu. Encore.
j'ai le canon sulfateur. Avec ça, vous devriez tous mourir. En tout cas, on entend des bruits. On entend ces bruits, mes amis, là-dedans. Ça fait extrêmement peur. Faut que je me barre vite fait avant qu'ils arrivent tous. Je vais pas tenir le rythme. Je vous le dis. Les cassos, cassos, cassos. Allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Vite, 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 il faut se barrer. Allez, fermez la porte. Ferme la porte, ferme la porte. C'est bon, il n'y a plus de nécromorphes. C'est quoi ce truc? Bonjour? Y'a quelqu'un? Je le sens pas très très bien ce truc là-bas. Vous en pensez quoi, vous les amis? Merde, plus de signal. C'est quoi ce bordel? C'est pas vrai. Oh là là là. Gentil, pas tapé. Ok. C'est moi. Je m'appelle Blarkian. Je suis youtubeur. T'es sérieux? Ok, je me casse. Je me casse, je me casse. Non, non, je me casse. Attends, ils ont. Non, 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 moi je m'en vais. Hein. Faut vite se casser, barrer, se casser, parce que là, il y a des monstres partout. Enfin, maintenant qu'il n'y a plus de monstres, il y a des humains. Ah ouais, bah je suis ici, moi. Nya. C'est dangereux, hein. Ils sont vraiment dangereux, ces messieurs. Ça fait quoi si j'enlève le courant? Hein? Ça fait quoi si je casse toute votre informatique et que toutes les portes s'ouvrent et que tous les monstres ils viennent vous battre? Hein? Ça fait quoi? Eh ben ça fait... Ah pardon? Ça fait ça! Attention les amis, spectacle! Oh putain, c'est quoi ça? C'est qui celui-là? Oh lui, il est nouveau! Et il y avait pas un nécromorphe un petit peu différent de d'habitude? Bon, je vais peut-être remettre la lumière. Je peux. Et tu peux pas remettre la lumière? Non, tu peux pas. Ok. Oh là là. Ok. Oh non, il y a un truc là-bas. Oh.
Ok. Il en reste combien? A priori, il y en a un qui est tout rempli de trucs dégueulasses. Ouh, moi je rentre. Voilà, allez bien. Il y en a encore d'autres. Les miens. Ah ouais, je crois qu'en fait j'aurais pas dû enlever l'électricité. Ah bah oui, c'est normal, j'ai une armure. Bon, je crois que le siège du gouvernement, il n'est pas content du tout. Putain, ils ont fait un véritable massacre là-dedans, dis donc. Mon Dieu, mon... Nicole ? Isaac ? Oui ? Où vas-tu ? Je sais pas. J'en sais rien. C'est pour ça que je suis là. Ah bon ? Tu m'emmènes où ? Pour te montrer la voie. D'accord, bah je te suis alors, y'a pas de soucis. Allez, par là, la voix. Merci, Nicole. Elle est gentille, cette Nicole. Elle nous montre la voie. Ok. Ok, ok. Bon, il est temps peut-être de trouver un endroit où on va pouvoir s'arrêter, mes amis. Ça serait bien. Que dire lui ? Ça passe ? Ah bah oui, ça passe. T'es pas joli, ça, dis donc. Y'a quelqu'un ? Inflexion 43509. Je n'arrête pas de penser à la dernière session du patient 4. Ces équations sont si parfaites qu'elles résonnent dans ma tête. La solution paraît... Patient 4, c'était moi, non ? Je pourrais presque la trouver. C'est étrange. L'autre jour, je disais à Travis que le monolithe voulait nous montrer la voie. Je n'avais jamais rien vu de tel. Une fois résolu ce léger problème de stabilité, nous pourrons lancer la production du monolithe pour l'agriculture minérale. Vous êtes devenu complètement cinglé, c'est tout. Le monolithe vous a eu, hein. Comme d'habitude. Bon, je reviens en arrière parce qu'il y avait une sauvegarde normalement en haut, si je me rappelle. Donc on va s'arrêter là, ce sera très bien. Ah, pendant un moment j'ai douté. Je vous avoue que pendant un moment j'ai douté. Voilà. Ça me permettra moi de m'arrêter pour la prochaine session. Ce sera très très bien. On se retrouvera donc tout là-bas pour continuer notre périple dans Dead Space 2. Donc j'espère que cet épisode spécial en 1080p vous a plu. On avance dardard, hein, la fin est bientôt présente. C'est épique, c'est collégramme. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous dis à ciao tout le monde. Et merci de m'avoir regardé. Bye bye.